J'ai peur qu'ils arrivent me tuer, se venger de moi. Enfin, je vous explique ce qui s'est passé en vrai. Bah écoutez, en vrai, j'étais dans un serveur comme ça, tranquille, avec ma team. Et à ce moment-là, j'étais pas en live, j'étais tout seul, il était 1h du matin, je crois, ou 2h. Bref, et j'étais pas stuffé, tu vois, j'avais juste un sac à dos et tout, j'avais rien de spécial. J'avais rien, quoi. Vraiment rien pour mériter ce qui s'est passé. Attendez, la musique a fini. J'attends que ça reprend. Ouais, donc je disais que j'avais rien et tout, et j'étais pas stuffé, j'avais rien, j'étais pas stuffé. Et là, il s'est passé que il y a des mecs dans une ville à Berezino, ils m'ont tué. Et ça m'a pas plu, quoi. Vraiment pas, j'étais énervé, je tremblais, je transpirais de partout, j'avais du sang qui coulait de ma bouche. Voilà, en tant que rageux de... Voilà, en tant que rageux de base, bah, je voulais vengeance, quoi. Je méritais pas ça, quoi. Je méritais pas, les gars. J'ai couru pendant 20 minutes, une demi-heure pour arriver là. Je méritais pas ça. Et... Voilà, quoi. Il avait une... Oh, mais vas-y, tire pas sur des mecs no stuff, putain. C'est pas marrant. T'es où, chèvre? T'es où? Voilà, tu vois, il m'a mis la balle. Chef, t'es où là? Ça sert à quoi sérieusement? Et à ce moment-là, il y a mon pote Spolker, c'est Cobbler. pardon, je suis stressé là, tu vois, devant la caméra comme ça, j'ai pas l'habitude et tout, t'as vu. Enfin bref. Et du coup, mon pote Cobbler, il a. Je les ai envoyés, quoi, j'ai envoyé ma team pour les chercher, voilà. Je suis obligé, quoi. Et bah, ce mec-là, Cobbler, il les a trouvés. Et à ce moment-là, quand il les a trouvés, c'est un mec de ma team, quoi. Il fallait. Il était obligé de troller, quoi. Pardon, c'est stressant, tu vois. C'est nerveux, j'en ai rien nerveux, quoi. Pardon. Et donc, du coup, il les a trouvés. Et il a fait ami-ami avec eux. Avec plein de stratagèmes, quoi. Cobbler, falloir la causette. Ami, genre style. Vous habitez où? Ça fait longtemps que vous jouez ensemble. Toi, la disquette, mets-leur des disquettes. Putain, non, y'a pas de hache. Ils sont trop sucés. Ça fait longtemps que vous jouez en team, non? Et de fil en aiguille, quelques minutes plus tard, de fil en aiguille et de discussion en discussion avec eux et Cobbler, il s'avérait que c'était les admins du salon. C'était les admins du salon du serveur là où on était, quoi. C'était les vrais admins, quoi. C'était carrément la team des serveurs Inglorious Bastard, hein. Et là, je peux pas, quoi. Je suis comme un drogué, moi je vois ça, je suis obligé, quoi. C'est du troll. Obligé, faut que je les troll, quoi, ces mecs. Obligé, quoi, il faut qu'ils se soumettent à ma puissance. Hein, voilà, quoi. Et voilà, les gars. Et c'est les admins. Ok, y'a pas de problème. T'es quoi, t'es avec des admins, là? Ouais, je suis avec des admins. Je peux venir avec mes deux potes ou pas? Oh. Attends, on va se stud. On va troller des admins. Ok, je leur dis qu'on est là et je peux leur dire de venir. Ils sont cool, hein, y'a pas de soucis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dès que vous entendez Chuck Norris, il y a les flingues. On se stuff avec eux, on se stuff, on fait genre. Ouais. Non, ils sont pas stuffés. Ils sont pas stuffés. Ils viennent de se connecter il y a pas longtemps. Ils sont pas stuffés, on était à Electro et on s'est fait poney et. On s'est fait poney par une team et tout, ils nous insultaient, ils nous disaient allez dégager à Berezino. Ouais, et on s'est fait insulter par une team et. On a fui. Du coup, on s'est barré avec le respawn et tout ça, on a atterri ici et du coup, je vais dire à mes potes d'arriver, ils sont no stuff. Hein. Les gars, on va se prendre des amis. Et donc, comme je disais, de fil en aiguille et tout, et des disquettes à tout va, des ouais, bien, ça va, moi, comment tu t'appelles. Enfin voilà, les grosses, les disquettes, les pilules de base qu'on mettait aux gens, pour qu'ils baissent leur garde comme des trous du cul, et
voilà, ils ont pas assumé la force. Et à ce moment-là, ils nous ont proposé de venir sur leur TeamSpeak, tu vois, sur leur TS. Je peux pas résister, moi, vous me connaissez, les gars, je peux pas résister, quoi. À ne pas y aller, je suis obligé, quoi. Je suis quelqu'un qui est comme ça, qui est sans pitié, quoi. Je sais pas, quoi, TeamSpeak, Skype, je sais pas, tu te mets même la webcam, mais si c'est pour te troller, je la mets, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et voilà. Le gars va me filer l'adresse de son TS. Vas-y. Ah ouais. Dis-lui, je suis avec mon pote. Et je viens. Vas-y, envoie l'adresse. Dis-nous, on est trois. On peut venir avec vous. Moi, je suis sur les doigts. On est trois, nous, je suis trois avec mes potes. Oh putain. Et donc, écoutez, à partir du moment où je suis là. Le potentiel, quoi. Je me suis dit, je peux pas niquer comme ça le troll. Je suis obligé de changer de pseudo, quoi. Voilà, j'ai pas assumé, c'est pour ça que je cache mon visage. J'ai vraiment pas assumé. Je me suis nommé Diablo X9. Voilà. Pardon, excusez-moi et tout. Je voulais pas. Voilà quoi. Écoutez les gars, je vais changer de pseudo pour pas me faire redave. Parce que ça pue. Ils m'ont donné un sac et tout, putain, ils me stuffent de fou là. Je vais changer de pseudo pour pas me faire ça. Attends, Cobbler. Oui, donc voilà, de fil en aiguille comme. Comme je dis souvent, on est rentré à ce moment-là dans leur TeamSpeak et on a entendu leur voix. Et j'avais changé de pseudo aussi, j'ai enlevé la chèvre masquée. ER, bien sûr, pour donner plus de soi et de différenciation entre le et E. Même si on sait que le ER de la chèvre masquée, c'est pas français, mais on s'en bat les couilles, je veux dire, quoi. Hein. Mais bon, bref, et du coup, je pouvais pas, quoi. J'ai mis Gotaga. Pardon, j'ai mis Gotaga sur mon TeamSpeak pour pas me faire crier directement. Voilà, c'est dit quoi, pardon. Pardon encore. Disconnected. User entered your channel. Salut. Yo. C'est. Attends. C'est qui je dois rejoindre? User left your channel. Salut. Salut. Salut les mecs. Il est derrière les maisons bourgeois, il est dans la colline derrière. Salut tout le monde. Ok. Salut. Ouais. Bah ça c'est mes deux potes hein. Pas de soucis. Bah à ce moment-là, voilà quoi, j'étais obligé de les troller quoi. Il fallait qu'ils aient confiance en moi et j'ai dû commencer par vous êtes d'où les gars? Et eux ils m'ont répondu naïvement, tu vois, comme des trous de balles, des consanguins, des gogoles quoi. Enfin perso moi si je vois ça, un mec qui pose des questions comme ça direct, j'ai pas confiance mais. L'être humain il est naïf, tu vois. Donc moi je joue avec ça et. Mais alors voilà, ils ont répondu et tout pendant 30 secondes quoi. Le mec il est parti dans une polémique et tout. Limite quoi, il a failli écrire un mémoire et tout. Il a raconté sa vie comme si il était sur Facebook le gars. Alors qu'en vrai je m'en battais les couilles de ce qu'il disait quoi. J'étais en train de rigoler dans ma tête. Je disais mais franchement je m'en bats les couilles quoi, tu vois. Vous êtes belge les gars? Ouais, bon, j'ai l'impression. Seulement moi. Bugs et belge, ouais. Et toi, t'es pas canadien ou belge? Ah non, moi je suis poitevin d'origine. Ok. Je suis poitevin et là je suis à Montpellier pour l'instant, mais d'origine poitevine. Putain, c'est à côté de chez moi, quoi. De chez moi. D'après sa voix, tu me donnes quel âge? Je suis à Valras. Ah oui, d'après ma voix, vous me donnez quel âge? Ouais, donc du coup, à ce moment-là, il y a un mec comme ça, il rentre dans la discussion et il dit si vous avez des questions sur le jeu, je peux vous répondre et tout. Donc moi, je me suis dit, c'est quoi il veut nous troller le mec et tout. Et après, j'ai vu les gars, ils ont 600 heures de jeu, quoi. Je me dis, j'ai sorti il y a quelques mois, il a 600 heures, quoi. Je me suis dit, le mec il a pas de life quoi, il a pas de vie quoi, j'en sais pas tu vois, il voit pas le soleil les mecs quoi. Non mais sincèrement, 600 heures quoi, faut arrêter mes conneries mon coco là, hein. Et j'étais obligé quoi, c'est plus, en fait plus il répondait, plus il parlait, et plus il disait des trucs et plus j'avais trop envie quoi, de les troller, c'était trop fort, c'était plus fort que moi, et je m'excuse. Enfin voilà quoi, c'est pas ma faute quoi, je suis drogué, je suis dépendant quoi.
Si vous avez des questions sur le jeu, je me présente, je suis Bugs, je joue depuis la sortie, j'ai... Ça va faire mal. Non, mais moi j'ai regardé tout à l'heure, je suis à 440, c'est bon. Je suis pas... 671 heures. Waouh. Donc si vous avez des questions ou des trucs, vous demandez, je suis la bible. Le mec il pose ses coups sur la table, 671 heures. Vous avez 600 heures et jamais vous êtes fait niquer ou troller ou... Ouais, donc du coup, bah... Après que j'ai vu que ces personnes-là, ils avaient 600 heures de jeu, c'était des gros geeks et qu'il fallait faire attention à... Hein, quand même, hein, 600 heures de jeu, tu te fais troller quand même, hein, par quelques pecs, hein. Donc du coup, bah moi je me suis dit, bon, on va leur ajouter des grosses pilules, quoi, des bonnes couches. Hein, ça y va et ça y va, quoi. Hein, donc j'ai sorti la pilule 9.0, quoi. Hein, directement, je leur ai sucé la bite, quoi, directement, pour qu'ils ont confiance en nous, quoi. Donc ça a marché, parce que voilà, je dirais que c'était une team de consanguins, tu vois. Non mais voilà quoi, sans manquer de respect quoi, non mais allô quoi, je sais pas, tu vois un mec il est en train de dire ça directement, tu vois l'entourloupe quoi, je sais pas, mais je sais pas, je comprends pas. Depuis ce jour-là j'arrive pas à dormir quoi. Ça va, vous êtes organisés les mecs en vrai. Putain. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble tous? Encore 2 mois. Depuis qu'on est sur le serveur, ouais, non. Ah bah franchement, je crois que c'est la première fois que je vois une team aussi... Bah ça, non, ça doit faire... non, je pense qu'on a commencé début janvier en fait, c'est quand je suis revenu de vacances. Moi j'ai commencé 4 jours après la sortie du jeu, ou 2-3 jours après la sortie du jeu. Regardez, on va fermer les portes. Regardez les dames sur le forum, ça aiderait. Ouais, donc du coup, j'ai vu leur stuff et tout, j'ai vu qu'ils étaient bien chargés. Je me suis dit, bon, écoute, saucisson, enfin un chèvre masqué, en l'occurrence, t'as 2 solutions quoi, soit tu te barres. Soit tu restes, y a pas photo quoi, j'ai pas réfléchi quoi, je reste quoi. Je vois tout ça, pour moi c'est comme un enfant, tu vois les dessins animés, tu peux pas t'arrêter, t'es obligé de regarder ça quoi. Je sais pas, et là je voyais que dans ma tête leur stuff quoi, je rêvais de leur stuff, je voyais, je chiais leur stuff, je mangeais leur stuff quoi, j'étais vraiment dans leur stuff, enfin voilà, j'étais vraiment dans leur équipement, ils avaient des balles et tout. En plus, il a dit un truc qu'il fallait jamais dire devant moi, c'est qu'il était pas mort. Enfin, ils avaient jamais perdu leur stuff depuis des jours, quoi. Hein, voilà, j'étais obligé de leur faire perdre pour leur faire apprendre que faut pas faire confiance sur Days. Putain, vous êtes vraiment full stuff, comment vous avez fait pour avoir tout ça? Je suis des gens. Ah bon, ça fait combien de temps que vous êtes pas mort? Si, on est mort plein de fois, ça, faut pas. Depuis combien de temps on a pas perdu notre stuff, c'est différent. Ouais, ça fait combien de temps vous avez pas perdu votre stuff? Moi ça fait 3 jours. Ouais, wow, putain. Donc 3 jours à compter de grosso modo, on va dire 19h jusqu'à 1h30 du matin. C'était à 5h par jour, 6h par jour. Dans ce jeu-là, il faut pas s'attacher à son stuff. Voilà, ouais, j'avoue. Donc du coup, à ce moment-là, quand on était toujours dans l'entrepôt, j'ai vu un fils d'assaut par terre, je me suis dit, peut-être que c'est ma chance de les tuer maintenant. Voilà, c'est vrai que je suis coupable d'avoir pensé que j'allais les tuer maintenant. Bon, c'est vrai que c'était prématuré, mais qui ne tente rien à rien, donc je préfère avoir. Voilà, j'aurais mis une petite disquette, est-ce que je peux l'avoir, si tu veux, garder dans mes épaules ton arme vu que t'es déjà stuffé comme voilà, je leur ai mis des grosses disquettes quoi. Le mec il a dit oui c'est sûr parce que voilà, je l'avais dans ma main, le mec, je l'avais quoi, il était vraiment soumis à moi, c'était ma catin quoi, ma grosse prostituée de Days, voilà quoi, j'ai pas honte de le dire quoi, mais bon c'est vrai que du coup maintenant je dors plus quoi. Mais il y a un pistolet, il y a un gun par terre, je peux le prendre? Il l'a vu le sporteur à la limite. C'est à qui le sporteur? C'est à moi parce que je m'amuse avec. Ah, j'arrive pas à la chargeur. Ah bah ouais, tu veux que je le garde dans mon dos? Non, je le prends deuxième truc et je fais le pire comme ça. Non mais si tu veux je le garde mais je te le rends quand... Bah ouais, pour éviter que tu fasses des allers-retours avec ton arme. Voilà, quelques petites demi-heures après avec eux encore et... Voilà, ils ont commencé
à relâcher un peu la pression et tout d'un coup ils ont commencé. J'ai senti qu'ils étaient un peu sur la défensive parce qu'ils commencent à se poser des questions bizarres. Genre vous étiez pas stuffé, maintenant vous voilà stuffé et tout, vous avez de la chance et tout. Voilà, et donc du coup bah moi il fallait que je leur. Voilà, je les suce quoi, j'adore ça quoi. Mais je veux dire, voilà quoi, il fallait la fellation de Days quoi, il fallait mettre des grosses disquettes. Donc voilà, donc je leur ai fait encore une 5.5, c'est une nouvelle version de la disquette. Voilà, une disquette c'est une pilule c'est une mise à la. Une arnaque quoi, c'est. Voilà quoi, je sais pas comment vous dire ça quoi. Pardon quoi. Ça c'est marrant. Ça avait été une bénédiction sur notre route. Pourquoi c'est nos stuff. Ah j'avoue. Il y en a un qui a récupéré mon stuff qui était déjà pas mal. On est gentil. Bonjour, merci les gars, vous gérez. C'est rare qu'il y ait des Français qui trollent pas ou qui nous arnaquent pas. Ouais, donc du coup, bah, j'ai fait genre que j'étais un gros noobie, quoi. Je l'avoue, quoi. C'est vrai que j'ai fait genre que j'étais une grosse merde dans le jeu. J'étais buté, je connaissais pas la ville. Alors qu'en vrai, j'ai 200 heures bientôt, quoi, de jeu, quoi. Ça fait pratiquement 200 heures que je joue à Days, quoi. Je sais pas, je veux dire, à un moment, faut arrêter la connerie, quoi. Faut arrêter la naïveté, quoi. À un moment, faut dire stop, quoi. Et je pouvais pas m'arrêter, quoi. J'ai vu ça, je me dis, mais non, mais je peux pas, quoi. Je peux pas, les gars. Non mais c'était tellement magique à ce moment-là, on rigolait dans mon micro, et je rigolais comme ça. À chaque question, je mettais la main devant ma bouche pour rigoler, pour pas qu'ils m'entendent. Parce que voilà quoi, je coupais mon micro deux fois pour rigoler fort et tout, pour pas qu'ils me grillent quoi. Et tout ça, c'est Bérézino, tout ça là. Ouais, ça c'est la plus basse. Ça. C'est énorme. Ici. Je crois que c'est la plus grande ville, non? La plus étalée, c'est pas la plus grande. Et voilà. J'ai toujours continué à mettre des pilules, des disquettes, des arnaques, des. Les mecs, ils étaient soumis, quoi, vraiment soumis, quoi. Alors qu'en vrai, je m'en battais les couilles, mais violent de ce qu'il racontait. Le mec, il racontait sa vie, je lui ai posé une question sur combien de mètres il a tué un mec. Alors qu'en vrai, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, quoi. Mais c'est. Ta gueule, quoi. Je veux dire, ok, ta mère, quoi. Je sais pas, je m'en fous quoi, dans ma tête j'étais en train de l'insulter le mec quoi. Je m'en battais les couilles, je pensais juste à son stuff quoi à ce moment-là. Je disais mais. Putain mais. J'ai jamais vu ça quoi. J'ai jamais vu des gars aussi. Je sais pas. On dirait. Je sais pas. J'ai pas les mots quoi. C'est vraiment. Je sais pas. Ça, j'étais vraiment choqué quoi, sous ce coup-là, quoi. Mais arrête, non, ça existait pas quoi. C'est pas vrai quoi. Et genre, t'arrives à tuer. C'est quoi ton maximum de shoot au snipe? Moi? Ouais. J'ai déjà fait un tir à 900 mètres. 900 mètres, putain, les gars, c'est abusé là. Comment t'as su que c'était 900 mètres? Ouais, comment tu sais que c'est 900 000 ou... dans la vie? Non, mais mec, j'ai tiré avant sur une plateforme en fait. Là, ce que je faisais, c'est que j'étais dans un spot et ouais. Je tirais à 900 mètres, je savais pilement où c'était en fait. Pile poil où c'était. En gros, je savais que c'était 300 mètres là, 400 mètres, je me faisais des repères dans la tête. Toutes les distances, en fait, il y a tout bête. À un moment, on était 3 plus mes collègues, ça fait 3, on était 6 quoi. Donc 3 dégâts de ma team et 3 chez eux quoi. Parce qu'à la base, c'était bien plus, mais il y en a qui sont partis au fil en aiguille. Enfin, d'heure en heure quoi, ils partaient quoi. Parce que quand même, on est resté une bonne heure avec eux quoi. Bonne heure pour troller, mais quand même ça valait le coup parce que aller looter, aller regarder à gauche et à droite pour trouver juste ce qu'ils avaient, alors qu'on pouvait ce qu'ils avaient là dans leur stuff là, c'était mais il fallait mettre 5 heures, 6 heures de jeu, il même fallait des jours pour trouver leur stuff. Voilà, nous on a mis une heure, c'est vrai et tout, et voilà, c'est pas ma faute quoi. Et du coup, ben il y a un mec, un des trois gars, il a dit bon, je pars. Bonne nuit, je vous laisse à demain quoi. Il nous a dit à nous à demain. Et à ce moment-là, dès qu'il a dit à demain, j'ai lâché un fou rire quoi. Parce que je savais que demain t'allais plus me voir quoi. Mais en plein milieu du fou rire, je voulais pas niquer mon troll quoi. Donc du coup, j'ai simulé de tousser quoi. J'ai rigolé à la fin, j'ai toussé quoi, pour pas me faire griller quoi. Ça, ils ont pas grillé quoi, ils ont pas vu, mais j'ai failli exploser de rire quand il a dit à demain quoi. C'était vraiment limite quoi, le rire il était là quoi, dans ma gorge.
Bon allez, moi je vais vous laisser. Bonne nuit à vous. Bisous, puis okay, peut-être salut. À demain pour les nouveaux. Hein. Merci. Ouais, ok, ça marche. Allez, à demain. Putain. C'est bon, j'ai changé mon gaz. Et là, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. En fait, ça a été le déclencheur de tout, quoi. Le déclencheur du début de leur descente, quoi. C'était vraiment le truc qu'il fallait jamais faire avec moi. C'est que le sniper, en fait, il a fait une mauvaise manip et il est mort. Il est mort devant nous. Enfin, pas devant nous, mais il est mort devant Cobbler. Je crois qu'il est mort devant Cobbler, mais quoi qu'il en soit, il était à côté de nous, quoi. Donc du coup, bah nous, direct, en tant que vautour, quoi, on voulait reprendre leur stuff, quoi. Hein ? Donc je leur ai mis une grosse pilule, quoi. Une énorme pilule, dans le sens où je leur ai dit, comme avec l'arme d'assaut d'avant, écoute, j'ai pas de stuff, je vais garder ton stuff sur moi en attendant que tu viennes, quoi. Hein ? Ça marche à tous les coups, en général, ça, si on n'insiste pas trop. Ouais. Ouais. Attends, non, mec, je suis en réception, je suis dans le... La bague, j'ai récupéré mon corps, je sais pas, j'ai gardé le bug. T'es mort où? Vers... Tu sais le gros silo bug, la grosse cheminée là. C'est qui est mort? C'est tombé. Ouais, je sais pas pourquoi ça a bugué. C'est le sniper sniper? Ouais. Bah, et à ce moment-là, bah, il fallait. Je suis désolé, mais il fallait. Donc j'ai donné le signal à ma team. Et le mot de passe pour annoncer le signal pour le tuer, bah il fallait dire Chuck Norris. Voilà, donc quand j'ai dit Chuck Norris, mon pote, il savait directement qu'il fallait le tuer à la seconde qui suit, quoi, les premières secondes qui suivent, parce que moi j'étais prêt, quoi. Et donc du coup, bah ça m'a fait rire. Cobbler, il a commencé à dire à l'ennemi, ouais, t'es où? Mais c'est pas genre t'es où je te cherche, c'est t'es où pour mourir, quoi. Mais le mec, il avait pas compris sur le coup, tu vois. Et Cobbler, il a simulé de l'aider contre des zombies, tu vois. Et il l'a tué dans le dos et il a simulé le fait que c'est qui a tiré. Il a pas dit que c'était moi, quoi. Il a pas dit que c'était lui, pardon. Mais pour pas que les mecs, ils tilt, quoi. Ils vont penser que c'était un ennemi, quoi. Et Cobbler, bah, il a tué le mec, il a pris son stuff, quoi. Parce que c'était quand même les admins, donc ils pouvaient reboot leur serveur s'ils se doutaient de quelque chose. Donc du coup, ils s'est pas douté encore sur le coup. Et dès qu'il l'a tué, bah, moi j'ai pris le stuff de l'autre et j'ai vu l'autre et j'ai dit ce qu'il fallait dire et j'ai rigolé et j'ai fait un rush kit et j'ai gagné, quoi. Donc voilà, quoi. Je suis désolé, quoi. Vas-y. Attends, on dirait Chuck Norris, les trucs. T'es où, mec? T'es perdu? Qui, moi? Bah non, l'autre avec qui j'étais, là. Attends, bouge pas. Tu peux tuer les zombies, s'il te plaît? Je sais pas ce qu'il me fait, ton serveur. Wouah! T'es descendu, là? Attends, je descends. Ah bah non, tire pas. C'est bon, j'arrive, mon la connexion, ouais. Là, je suis pas con. Y'a un mec? J'arrive. Oh, on sait jamais, quoi. Je suis inconscient. On m'a tué. Y'a un mec qui vient de spawner là, en haut de... Ouais. C'est qui t'a tué? Qui c'est qui t'a tué? Je sais pas qui m'a tué. Attends. J'ai entendu un rechargement. C'est quoi le délire? Tiens là. Mais t'as mon temps, ça. Ouais, enfin j'ai pas tout. Attends, déjà je te passe sac à dos. Y'a un mec qui vient de me tuer, donc y'a un mec qui décolle. Ah ouais? M4, ouais. Je pensais que c'était quelqu'un. Ça c'est ton buzzing. Oh, what the fuck? Il s'est passé quoi? Tu m'as tiré dessus. Mais non. Bah si. Mais non. Nous a tout. Je t'ai juste carotte ton stuff. Qu'est-ce qui se passe? Faut j'aille faire confiance, bande de bâtards. Des connexions, je suis full stuff. Ben voilà, donc du coup, bah, je tenais à vous dire que maintenant, les trolls et tout, je les fais en cachette parce que je suis wanted dans toute la game. Ah, c'est la chèvre masquée, faut le tuer. Il y a les stalkers de partout quand je fais des lives.
voilà quoi, c'est dur ma vie à l'étude parce que voilà, je joue avec le feu quoi à côté. Je m'en sors toujours, mais maintenant j'ai décidé de cacher mon visage pour pas me faire tuer dans la rue. Voilà, on sait jamais, ils trouvent mon adresse et tout, moi j'ai peur quoi. Voilà quoi. Bref, en tout cas, bah j'espère que t'as aimé la vidéo et j'ai Facebook, j'ai Twitter, viens, rejoins-nous, abonne-toi et voilà quoi. À bientôt, prochaine vidéo. Peace. Talkbox. Don't baby make me feel this way. Make me move my